ressort. Après en avoir délibéré conformément à la loi sur l'action publique, le tribunal, dans l'examen du cas du mineur, s'est déclaré incompétent à la personne de M. Mohamed Lamine Baldé. Renvoie les prévenus Aboubacar Sidiki Diané, Ousmane Keïta, Nabi Moussa Dramé, Nakani Konaté, Mamadi Kondé, Kerno Sadou Bari, Abdoulaye Bari et Mamoudou Bari des fins de la poursuite pour délit non établi à leur encontre. Déclare les prévenus Sekouba Kamara, Mourigbe Kaba, Abdoulaye Bari, Souleymane Sano, Adama Kondé, Mfa Moussa Kaba, Galapa Koulouboy, Mamoudou Tunkara, Karamo Mohamed Kaba, Ibrahima Souri Keïta, Aboubacar Diawara, coupable des faits de destruction, dégradation d'édifices publics et de participation à un attroupement non autorisé. Pour la répression, les condamne à un an de prison assorti de 6 mois de sursis et au paiement de 500 000 francs d'amende. Déclare en outre les prévenus Bangali Kaba, dit Jean Kaba, Ousmane Diakité, dit Kono, Ousmane Kaba, dit Mbia, coupable des faits de complicité de destruction, de dégradation d'édifices publics et de participation délictueuse à un attroupement non autorisé. Pour la répression, les condamne à 1 an, 6 mois de prison ferme et à 1 million de francs guinéens d'amende. Déclare enfin le prévenu Cabinet Touré, dit Kafou, coupable des faits d'entrave à la saisine de la justice. Pour la répression, le condamne à 1 an d'emprisonnement, dont 4 mois fermes et 8 mois assortis de sursis et au paiement d'un million de francs guinéens d'amende. Mais les frais et dépens à la charge des condamnés. Le tout en application des dispositions des articles 19, 20, 122, 523, 527, 627, 629, 706 du Code pénal, 535, 544, 548, 549 du Code de procédure pénale, 494 du Code de l'enfant. Telle est la décision du tribunal.